Salut à tous, c'est NiFX8, on se retrouve pour parler du nouvel agent Elite pour Smoke qui est sorti. Alors je sais pas trop quoi en penser, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, on va vous présenter, on va montrer du coup in-game, enfin dans le jeu, dans le menu, et après dans le jeu, il y a les timers dans la description. Je sais pas quoi penser, moi j'aime bien, mais je trouve un petit peu basique, notamment au niveau du torse, des bras, tout ça. Mais il a de la gueule en tout cas, donc à voir un petit peu au niveau total. En tout cas, ce qui est cool, c'est qu'on voit ses cheveux là, c'est vraiment, c'est assez classe, avec le masque, la forme du masque est très très cool. Mais je sais pas, moi l'habit, je suis pas des masques convaincus, même s'il y a des petits détails quand même vraiment sympa, mais ça manque justement de petits détails en plus, je trouve. Par contre, sur là, on voit justement les écritures des kills, je trouve ça assez génial, le nombre de morts faits. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a donc le skin d'armes pour toutes les armes, les deux armes principales et les deux secondaires. Donc à voir ce que ça donne, je vous remonte du coup vite fait au niveau des accessoires. Donc les 4 skins, le pendentif qui a l'air très 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 sympa, la petite smoke, donc la grenade, c'est quoi le nom français d'ailleurs, je ne sais plus, la grenade, j'en sais rien, la smoke, écoute, c'est très bien, et la petite image légendaire ainsi que l'animation de fin. Et donc alors sur la petite grenade smoke, on voit justement, elle est colorée contrairement justement aux autres. Est-ce que, franchement, est-ce qu'ils auraient pas pu, mais la couleur change pas, c'est juste en fait le visuel de la grenade. La grenade, tu la vois jamais globalement, tu la lances directement, donc tu verras que très peu malheureusement ça. Ça aurait été quand même tellement cool, d'ailleurs là on voit sur l'image, on voit justement le gars avec la smoke qui se déclenche en jaune. T'imagines s'ils avaient mis la smoke en rouge? Franchement, techniquement, je pense pas que ça ait posé problème, et ça aurait été tellement stylé d'avoir une smoke d'une autre couleur. Dites-moi si, ce que vous en pensez, en tout cas dans le chat, ça a l'air d'être plutôt convaincu par ça. Donc, à voir, vraiment je suis perturbé, je sais pas trop quoi en penser. Mais let's go, nous perdons plus de temps, on l'achète, 1620 crédits R6 avec le Season Pass. Ça picote, donc ça fait 1800 sans Season Pass il me semble. Ça picote, mais bon, on a une petite collection à avoir monsieur. À respecter, on active tout ça, je suis prêt. Il faut quand même savoir que Smoke c'est un agent qui a énormément de têtes, mais vraiment beaucoup. Je veux dire, t'as un paquet de têtes différents. Autant des trucs what the fuck que des trucs très sympas comme les anciens Pro League. On a les Bushido, on avait justement le pack Watchdog qui était magnifique. J'utilisais encore jusqu'à maintenant, celui que j'avais activé. Il y a plein de trucs. D'ailleurs, je suis en train de dire Pro League, mais celui-ci, je crois qu'il y a deux Pro League ou pas. Non, c'était pas un Pro League celui-ci. Je crois que le Pro League c'est celui-ci, il me semble. Combustion, si je ne dis pas de bêtises. Ouais, il y a le 6 sur le côté. Donc tu vois, il y a plein de skins vraiment stylés. Donc est-ce que vraiment il va être au-dessus? Toi, il y a des skins qui sont complètement pour Smoker, mais bon, on verra bien, on va l'activer, on va voir un petit peu la gueule du monsieur. J'ai déjà montré dans le menu, regarde ça, donc on va pouvoir du coup directement aller voir au niveau des armes, voir ces petits skins. Globalement, très souvent les armes qu'on utilise c'est le pompe avec la SMG, bien que le nouveau viseur de l'autre arme automatique est pas si mal. Oh, le skin est magnifique, je l'ai vu une game, ça avait l'air pas mal. Mais là, franchement, ça rend super bien. Le rendu est magnifique. Avec vraiment au-dessus du. Tu sais, les petites traces du nombre de kills. Avec l'arrière, ce côté un petit peu. On dirait une sorte de. Toi, c'est métallisé avec le rouge et le noir comme ça. C'est splendide. Vraiment, j'adore. Ça rend très très bien. Le pendentif Chibi Smoke Elite, qui a l'air pas mal du tout. Ils l'ont bien représenté. Alors, forcément, sur le masque, il prend énormément de place. Mais le rendu est pas mal, j'aime beaucoup franchement. Il te regarde, il est incliné et tout. Ah non, c'est très sympa. Un pendentif Elite, de toute façon, ils sont beaux maintenant les pendentifs, ils travaillent tellement bien que je valide totalement. Pour la SMG 11, montre-moi ça. Le rendu, forcément, c'est l'arme est très petite, je trouve. C'est assez compliqué d'avoir des skins qui rentrent très bien. Parce que l'arme est tellement petite, c'est toujours assez délicat, mais j'aime beaucoup. On dirait, je sais pas si c'est genre c'est du Tipex, on dirait qu'il l'a écrit au Tipex, on est d'accord? Est-ce que c'est censé être ça? J'imagine que oui. Et on voit un peu une surimpression, ça rend très très bien. Par contre, là, c'est marqué quoi? J'arrive pas à voir le ASI. Ah non, c'est la formule chimique, on est d'accord. Je crois que c'est la formule chimique, il me semble, qui était écrite à la main par-dessus, si j'ai pas de bêtises. Me semble utile avec les kills à l'arrière. Non, c'est franchement très classe, très joli. Ça fait totalement le taf. Pour la FMG 9, donc, le Black Eyes reste tellement beau dessus. Comme dans chaque vidéo, à chaque fois, j'en fais la même chose. Nous, ce qu'on veut, c'est ça. Le petit arsenic sanguin. Ah, voilà, c'est la formule de l'arsenic, j'imagine. Ah oui, ça va être ça, AS. J'imagine, s'il y a des chimistes parmi vous, dites-moi un peu la formule mathématique de l'arsenic. Est-ce que c'est bien ça? Ça paraîtrait plutôt logique. D'ailleurs, au niveau de la poignée, vous avez vu, c'est très usé. On voit justement des taches blanches au niveau de la poignée, c'est assez intéressant. Et le métal est bien travaillé, c'est magnifique. On voit vraiment le métal brut, tu vois qu'il est un peu rouillé, des traits dessus et tout. Ça rend très très bien, toujours avec le Tipex, ou je sais pas ce que c'est pour marquer. C'est magnifique, avec ce rouge. Ah, j'adore, moi vraiment le rouge comme ça, en plus cette couleur qui est métallisée, voilà, métallisée c'est le mot que je cherchais tout à l'heure, ça rend tellement bien, un petit peu usé en dessous, c'est très très joli.
Et enfin pour terminer, le P226, voir un petit peu la gueule que ça. Alors forcément, comme tous les pistolets, par contre là, le dessus, ah voilà, on voit sur le côté, mais côté, le côté que tu verras en fait in-game, le dessus il n'y a rien, donc on verra que le rouge en fait. Bon après c'est très très joli comme rouge, avec le côté métallisé comme ça, avec les petites alvéoles, mais c'est vrai que tout le côté dans la crosse, c'est là qu'il y a tous les détails. Un petit, tu sais genre les petits kills, les barres de kill là-bas qui sont là, voilà justement. En fait les barres de kill, pour moi ils auraient dû le mettre plutôt de ce côté, pour qu'on le voit in-game. Là pour le coup vu que c'est de ce côté on le verra pas du tout. Ce qui est un petit peu dommage mais ça reste quand même très qualitatif. Voilà le smoke est équipé, je vous montre un petit peu la gueule avec l'arme. C'est vrai que pour moi vraiment au niveau tu vois l'habit en fait manque de détails. Les manches toutes blanches comme ça, ça manque de petits détails un peu sympas. Donc je pars de l'autre côté. Ah d'ailleurs l'image, très sympa l'image qu'on voit comme ça. Waouh elle est magnifique. Mais tu vois moi ça un petit peu déçu. Je manque que le visage, la tête est magnifique. Mais c'est vrai que le corps je trouve ça manque de quelque chose. Puis après le côté rouge fluo qui forcément t'es un peu cramé. C'est un petit peu dérangeant. Du coup, allons in-game voir un peu le rendu. Du coup, on peut avoir l'image d'illustration légendaire. Enfin, déjà là, c'est magnifique, j'adore. Franchement, d'un point de vue purement design, regardez-moi ça. Ils ont tellement amélioré, je trouve, vraiment ce qui est design, en fait, simplement. Tout est tellement mieux travaillé, tellement plus beau, plus recherché. C'est très très beau. Ah, montre-moi un peu ça. Déjà le skin. Oh, le skin magnifique. D'abord, j'ai pris l'arme automatique, la SMG, avec le pistolet, c'est ce que j'utilise. Du coup, pas du tout. C'est après, je pourrais changer. Ah, j'aime bien. À voir. A voir, après je vous montrerai également in-game, j'ai pu enregistrer avant, on est en live, on a pu le voir. Au niveau des gants, tout ça, rien de particulier à dire. Écoute, il a des gants, tout ce qu'il y a de plus classique, on voit l'avant des bras et les poils. Il est pas spécialement poilu, n'est-ce pas? La smoke. Oh, pas mal. Pas mal, elle est très colorée et tout, c'est très joli. Ah, elle est très jolie la smoke. J'aime beaucoup. La smoke comme ça, elle rend vraiment très très bien. Juste dommage que voilà, si le smoke avait été d'une couleur rouge, ça aurait été génial pour aller avec le reste. Au niveau du skin d'arme, franchement rien à dire. Pantif, j'ai pas mis, je vous montrerai après l'autre pantif. De ce côté-là, c'est tout ce qu'il y a de plus correct. Le pistolet, bon, on le voit quand même. C'est dommage qu'ils aient pas mis les traits de ce côté, qu'on puisse voir les traits quand tu recharges. Vraiment dommage. Mais bon, c'est un détail. Ah, c'est pas mal. Franchement, pas mal du tout. J'aime bien, je vous remonte du coup. Au niveau de l'équipement du pantalon, tout ça. Non, puis même les chaussures, elles sont vraiment stylées. Ça rend très très bien. C'est juste le torse, en fait, qui me dérange un petit peu, la veste. Que je trouve pas. Mais même les skins sont magnifiques. Ils rendent vraiment bien. Et du coup, l'animation de fin, on profite. Je l'ai pas vu pour de vrai. J'ai vu que leaker, en fait. Non, franchement, c'est classe. C'est là qu'on trouve un peu basique dans le chat, qui n'avait pas trop apprécié. Moi, je trouve, franchement, ça correspond justement à l'agent, contrairement à des fois, il y a des trucs qui n'ont vraiment aucun sens. Et là, vraiment, c'est bien travaillé. C'est bon, j'ai équipé le pompe, la SMG, le rendu, la petite image. Par contre, c'est un peu bizarre, l'icône, vous voyez, j'étais en l'icône avec le... Il est qu'à moitié peint, ça correspond justement à la bonbonne qu'on voit en fin de game. Je pense que c'est un côté en fait très street art. Je pense que c'est genre, tu sais, le gars qui va taguer dans la rue. Ça a son charme. Oh, le pompe. Oh, il est pas mal. Ah, il rend très très bien le pompe, franchement. Rien à dire de ce côté-là. J'aime beaucoup. Non, les skins sont magnifiques. L'animation... Pas forcément incroyable en termes de détails, mais ça correspond bien au perso et tout, moi je trouve très bien. Là j'en monte un petit peu en charge. Et monte-moi extérieur. Monte les SMG. C'est franchement pas mal, j'aime beaucoup. Pantif, on s'en rend pas trop compte là, voilà, je vous montre. Attends, comment on peut le voir le pantif? Voilà, montrez-moi un peu le pantif. Il est vraiment pas mal, il est assez détaillé. Non, avec la coupe de cheveux que j'aime beaucoup. Et le pompe, il est magnifique. Le skin rend vraiment très très bien. Je remonte la petite smoke. Ah non, franchement, rien à dire. D'ailleurs, là, je vous montre vite fait, là, au niveau du montage, l'image que j'ai fait quand on était en live, on est tombé contre un smoke elite qu'on a tué. Contre un petit peu la gueule que ça a, du coup, in-game, qu'on puisse voir un petit peu le rendu que ça. Mais vraiment pas mal du tout. Ah, franchement, gros coup de cœur. Alors, il y a des élites qui sont bien mieux. L'uniforme, donc ce qui est la base, le torse, je suis pas des masses fans. Mais tout le reste est génial. Même le masque est magnifique, tous les skins d'armes, pendentifs splendides. Ah, par contre, quand tu déclenches, je crois que c'est le même bouton. Ils ont pas modifié le bouton, c'est le déclencheur. Il me semble bien que le déclencheur soit le même. Je fais pas de bêtises. Même la couleur, c'est vrai que c'est dommage. T'imagines le smoke en rouge, ça aurait été tellement stylé d'avoir un smoke différent. Ça aurait été vraiment cool que la fumée soit. Surtout que je pense techniquement, c'est largement faisable. On voit ça. Tu vois, justement, il prend sa grenade un peu comme si un peu comme s'il taguait, je trouve. Un peu cette idée de street art. Ah, franchement, la tête, elle est géniale.
Du coup, c'est tout, les amis. J'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je suis quand même globalement content, même si je suis un petit peu perturbé par l'uniforme. Les skins d'armes sont magnifiques. Et c'est vrai que souvent, les uniformes élites à l'époque, les skins étaient très basiques, pas folichons. Et là, franchement, ça rend très très bien. Donc, vraiment, dites-moi ce que vous en pensez. Venez sur Twitch, twitch.tv/nufx8. On en live tous les jours. On s'éclate tous les jours à partir du 10h du matin jusqu'au soir en live, principalement du R6. Et on se retrouve tout bientôt. Ciao, ciao!